Bonjour, moi c'est Anthony Hassel, je suis photographe et fondateur d'Art in Rebus. Bonjour, eh bien, je suis Stéphanie, je suis photographe comme Anthony et aussi membre fondatrice de l'association. Donc, le concept de ce livre-là est de présenter les 192 pays membres des Nations Unies par des photos, mais aussi des poésies et des dessins d'enfants. Nous avons visité 300 écoles, un peu plus que ça. 18 000 enfants, récolté à peu près 25 000 dessins et poésies dans ces écoles-là, qu'on a à chaque fois fallu traduire via l'aide volontaire. Donc on a beaucoup travaillé avec un très gros partenaire qui est l'UNICEF, donc sur tout ce plan plus ou moins légal, et aussi pour la sécurisation de tous les dessins et poésies qu'on collectait dans les pays, puisqu'ils nous aidaient à les envoyer via leurs valises diplomatiques. Donc, nous passions à peu près 3-5 jours dans les écoles afin d'organiser nos ateliers artistiques, donc des ateliers de dessin, de photos, de poésie, de peinture, afin de stimuler la créativité et la curiosité des enfants. On a choisi de travailler avec les enfants parce que ce sont encore des êtres qui n'ont pas encore de clichés comme nous les adultes. Et puis pour leur faire prendre conscience dès leur petite enfance que ce sont des citoyens du monde et pas seulement de leur propre pays. Et que donc ils doivent connaître leurs voisins ou bien même d'autres enfants ou adultes de pays beaucoup plus lointains pour pouvoir s'intégrer dans ce monde.